top 7, réveil compliqué, on a eu froid toute la nuit, on a nos vêtements qui sont encore trempés. Les duvets sont mouillés. Les duvets sont mouillés. Donc journée qui s'annonce compliquée, on espère qu'il va pas trop pleuvoir. Même si apparemment il pleut déjà. Donc voilà. Et mes yeux qui sont qui veulent pas s'ouvrir, je sais pas pourquoi. C'est tout gonflé. C'est le début de la mort. C'est pas grave. J'espère que les bières me guériront à l'arrivée. Bon Ricardo, comment s'est passée ta nuit? Comme depuis le début. Tout mouillé, froid. Je me suis couvert avec la couverture de survie parce que j'avais beaucoup froid. Tout est mouillé. La chance c'est que j'ai des vêtements de rechange pour la nuit. Parce que sinon. Ils n'étaient pas mouillés? Mais non, non, j'étais dans le 5 étage. D'accord. Ça veut dire que ça m'arrangeait, sinon. Et le duvet était comment? Mouillé. Mouillé aussi, hein. Tout mouillé, alors c'est pour ça que je me suis mis sur la couverture et après j'ai mis le doué. Des matins comme ça où tu préfères rester couché, où tu te dis pourquoi j'ai voulu faire 280 km en Écosse, en tente. Juste comme ça, une petite info, c'est un peu depuis le début que je me suis pas lavé, ça commence à poquer quoi. Je confirme. C'est, voilà, il y a comme un qui sent la rose au final. Ouais, c'est ça. Donc là on arrive au bout du lac Loch Lochy, ici, là-bas, et ensuite on va longer un canal et atteindre Fort Augustus pour le midi. On attend un peu Christelle. Alors on dirait qu'elle a un peu du mal à marcher. Tu pourrais prendre soin des handicapés quand même. Le visage de Christelle sur cette 7e étape. Ça c'est moche. Ça c'est vraiment moche. Oui bah c'est comme ça hein. Salut Ricardo, je vois que vous êtes dans le dur. Donc je vous propose une petite pause avec les barres énergétiques Marius et Magali pour que vous me disiez, vous me donniez votre avis. Donc je vous laisse choisir votre parfum. On en a plusieurs qui sont différents. Bon, je pense que la spiruline est pas mal. Tu vas goûter à la spiruline, toi? Ouais. Et Christelle? Attends, je vois pas les goûts. Je prends celle-là, moi. C'est pâte d'amande et sarrasin torréfié.
D'accord. L'espionnier, il est pas mal. Ouais, pour le dire, c'est très bon. Elles sont super bonnes. Et surtout, c'est bio. Hein. Let's go for Augustus. Dans 3 km. Very difficult for me is here. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Elle. 1, 2, 3, 4. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ricardo se nourrit de hamburger. Pascal, il est content avec sa pizza. Monsieur, pizza à 3 viandes. Le sentier était fermé, donc on est obligé de passer par la route. Jusqu'à la prochaine ville. Peur. Il va apparaître. Écoute, tu vois qu'il va apparaître. Ah, le monstre. Ah 500 mètres plus loin, on a retrouvé le sentier du Great Glenway. Et donc on est reparti, on a quitté la route. On est encore bloqué, donc on refait une diversion pour monter par ce petit sentier et rejoindre le sentier, la variante du sentier haut qui va aller jusqu'à la prochaine ville. Là, c'est le lac Loch Ness. Voilà, c'est. On peut voir Nessie, le monstre. Ah bah, yeah. Magnifique. Voilà. C'est ce qu'il nous fallait. Voilà. Point de vue. Magnifique.
ville tout en bas. Et on est en train de monter là pour chercher un lieu de bivouac qu'on ne trouve pas. Donc on continue sous la pluie. Donc bivouac en pleine forêt là. Bon voilà, on est là. On est là et on vous dit bonne nuit. Tu dis bonne nuit ? Non mais fais-moi coucou, dis au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions.